2018-073-PRG-SCG du 25 mai 2018. Madame Guénin Keta a été nommée comme ministre de la coopération internationale et de l'intégration africaine. Madame la ministre, Madame Kani Diallo, permettez-moi de le dire encore, je suis à une cérémonie heureuse, une cérémonie qui valorise le genre féminin guinéen. Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, au nom du président de la République, chargé de vous féliciter, de vous remercier pour tous les actes posés à la tête du département en charge de la coopération internationale. Il a particulièrement insisté sur le fait que vous avez atteint un résultat, celui du retour de notre pays au niveau de ce concert international. Vous avez pu rassurer les partenaires techniques et agir conformément aux orientations du président de la République. Madame la ministre, le président de la République a renouvelé sa confiance en vous pour vous nommer ministre du Plan et du Développement économique. Votre expertise et votre capacité managériale nous a amené à adopter le PNDS. Le gouvernement, le Premier ministre, vous remercie infiniment et souhaite que vous allez obtenir les mêmes résultats en matière de développement économique. Madame la ministre, Madame Guénin Keta, Monsieur le Premier ministre m'a particulièrement chargé d'attirer votre attention que la coopération internationale figure parmi les priorités de son gouvernement. Elle m'a chargé de vous dire que tout en poursuivant les réformes de Mme Kani, vous avez l'obligation de consolider les acquis, vous avez le devoir de mettre à profit votre expérience, longue expérience, en matière de relations internationales pour relever tous les défis. Et suite à la présidence du président de la République à la tête de l'Union africaine, vous devez maintenir le cap pour que la Guinée continue à hisser notre drapeau dans le cadre de l'intégration africaine, dans le cadre du développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, en raison de certaines circonstances, je vous permettrai d'accepter que je déclare ouverte la présente cérémonie de passation de pouvoir.